What's up? J'espère que vous allez bien parce que moi ça va très bien. Comme vous voyez, je suis très agitée. Aujourd'hui, je viens pour un tuto make-up and coiffure. Enfin, coiffure et make-up parce que c'était plus pour la coiffure. Donc, pour faire cette coiffure là, cette jolie coiffure là, voilà. Moi j'ai trop kiffé la faire. Je trouve que c'est archi joli, c'est rapide à faire, ça coûte pas cher. Et voilà quoi, regardez comment je suis mignonne. Regardez comment je suis mignonne. Vous voyez comment je suis mignonne? J'aime trop, c'est simple, rapide et efficace en fait. On aime, tout le monde aime. Tu veux que les gens de ton entourage sachent comment... Sachent? Oui, c'est sache. Sache. Bref, sache comment faire cette coiffure. Voilà, tu partages à ton entourage, ta mère, ta tante, ton père, ton papa. Et surtout n'oublie pas de t'abonner avant de partir parce que voilà, je vois que vous regardez mes vidéos et que vous vous abonnez pas. Bah oui, la poufiasse, je te vois. Je te vois la poufiasse, je te vois. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo et bisous. Du coup, je commence par humidifier mes cheveux. Ce qu'il y a dans le truc, c'est vraiment que de l'eau. Il n'y a aucun produit dedans. Ensuite, je démêle bien. Il faut vraiment bien démêler pour ce tuto. Vraiment, c'est que du démêlage de cheveux. Ensuite, je partage mes cheveux en deux parties. La partie d'en haut, je vais la sécure avec un chouchou parce que je vais pas l'utiliser maintenant. Enfin, je vais pas m'attaquer maintenant. Ensuite, je prends la partie d'en bas que je vais démêler encore une fois. Je vous ai dit que du démêlage. Que du déménage, voilà. Ensuite, je prends mon gel Eco Styler. J'en mets pas beaucoup du tout parce que j'en ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc voilà, j'en mets un peu partout quand même. J'essaie d'en mettre un peu partout. Voilà. Ensuite, je prends mon peigne, je démêle encore et je reprends un autre peigne, le peigne à poils de sanglier pour bien plaquer pour que ce soit bien. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, tu vois l'image que ça fait. Voilà. Voilà. Encore une fois, voilà, faut bien plaquer, bien vérifier. Ensuite, je prends un chouchou et j'attache mes cheveux. Je serre bien comme il faut, mais pas au point de vous faire mal non plus. Ensuite, j'attaque la partie d'en haut, je démêle, le même processus. On démêle, voilà, on démêle bien. Vraiment, on veut pas de bosse, on veut que ce soit vraiment slick, vraiment plat, on flick. Voilà, je reprends même un peigne pour bien démêler mon crâne, carrément. Voilà, je démêle, on démêle. Ensuite, je prends mon gel. Comme je l'ai dit, j'en prends très peu, mais j'essaie quand même d'en mettre partout. Voilà, on démêle. Vous voyez déjà ce que ça fait, tu vois. Quand je passe le peigne à poils de sanglier, là, vous voyez déjà ce que ça fait. Tu vois, ça plaque bien comme il faut. Voilà. Ensuite, j'avais peur de pas avoir assez de chouchou. Du coup, j'ai pris le chouchou que j'avais attaché le derrière pour du coup attacher le tout. Moi, ça m'a pas gâché mon truc, mais prenez quand même deux chouchous pour faire ça. Ensuite, je prends ma cire que j'en mets un tout petit peu parce que la cire c'est vraiment très gras au début et après ça sèche. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup, quoi. Donc, n'en mettez pas beaucoup, mais mettez-en partout. Voilà, encore du plaquage. On sécure bien le plaquage. Ensuite, je sépare mes cheveux, mes baby hairs de mes cheveux. Voilà. Et je prends un foulard. Je vous conseillerais d'opter pour un foulard en satin parce que c'est bien pour les cheveux. Enfin, c'est toujours bien pour les cheveux le satin, mais moi j'avais que ça. Donc,
Je prends mon paquet de mèches. Je me suis rendu compte qu'au final, le paquet était coupé. Du coup, je suis partie en chercher un deuxième. Mais dans tous les cas, prenez quand même deux paquets. Moi, j'ai utilisé un paquet d'expression et un paquet, enfin, genre les paquets à 1€ là. Ensuite, j'attache les deux paquets avec un seul chouchou. Regardez seulement la technique parce que voilà. Je passe en dessous le chouchou et après, je fais un nœud. Ensuite, j'attaque aux cheveux. Je fais une petite tresse sur mes cheveux. Mais j'ai l'impression que c'était une erreur que j'aurais pas dû faire. Parce que vous allez voir pourquoi je dis ça. Donc, je prends mes cheveux et je mets. Suivez bien la technique que je fais parce que je sais pas comment vous expliquer ça. Mais je trouve que c'est mieux. Voilà. Carrément, vous voyez là, je peux sortir comme ça avec. Il n'y a pas de souci. Juste, je vape un peu et après je sors. Donc, je sépare une petite mèche pour mon wrapping. Voilà, je sépare une petite mèche. Je la démêle aussi. On n'oublie pas toujours de démêler. Toujours le peignage, le démêlage. Voilà. Et je la sépare de l'autre partie. Ensuite, je prends le reste des mèches et je sépare en trois parties. J'essaie de faire des parties égales. Comme ça, la mèche, elle est homogène. Genre, c'est pas une partie, il n'y a pas un truc qui est plus gros que l'autre. Et voilà, ensuite, je tresse. Et voilà, je me rends compte que... Je me suis même pas rendu compte que j'avais oublié ma petite crotte de cheveux derrière. Mais bon, c'est pas grave. On tresse. Quand je tresse, en fait, je serre pas, en fait. Je serre pas la tresse. Je vais vraiment tresser en mode je tresse, quoi. On veut une tresse molle qui soit un peu grosse. Tu vois, quand elle est molle, elle est grosse. Quand elle est serrée, elle est plus fine. Donc voilà. Je finis tressée. Et là, je me rends compte que j'ai oublié ma petite crotte. Donc je la cache avec en dessous de ma tresse. C'est simple, hein. Voilà. Ensuite, je mets un petit chouchou pour boucler le tout. Et comme j'aime pas comment ça fait l'effet, du coup, je coupe avec un ciseau comme ça. J'aime mieux quand c'est droit, en fait. C'est carrément mieux, c'est plus beau. Ensuite, je reprends ma mèche que j'avais laissée de côté. Et je vais commencer mon wrapping. Mais avant ça, je mets un peu de cire pour éviter que les mèches s'éparpillent. Enfin, qu'il y ait des... Je sais pas comment on appelle ça. Mais t'as compris. Donc, je commence à wrapping. Mais... La partie qui m'a induit en erreur, en fait, c'est mes vrais cheveux que j'avais oubliés qui ont fait que bah, je suis descendue trop bas dans mon wrapping. Donc, franchement, pour votre wrapping, descendez pas aussi bas. Tu vois, 5-4 cm, ça suffit. Moi, je suis descendue trop bas. C'est vraiment que pour cacher ma petite tresse. Ensuite, j'écarte un peu la tresse pour que, voilà, on veut du volume sur la tresse. On veut du volume. Ensuite, je coupe les mèches qui se barrent là pour un peu plus de jolibilité. Et je rajoute un peu de cire sur la partie où vraiment les mèches se barrent trop. Et voilà le résultat de ma trace. Regardez comment elle est longue. Elle me va jusqu'aux fesses. Ensuite, j'attaque mes baby hairs. Je fais vraiment des baby hairs simples. Hein. Je m'attarde pas sur ça. À part la petite mèche en bas. J'aime bien jouer un peu avec, faire des petites vagues et tout. Mais si vous êtes quelqu'un qui vous aimez les bibières, franchement, faites comme bon vous semble. C'est pas grave, moi j'ai fait des trucs vite fait. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, je reprends mon foulard pour bien sécure, bien plaquer le tout. Et j'attaque le make-up. Je commence par faire mes sourcils. Cette fois, je fais mes sourcils au crayon. Mais d'habitude, je fais au gel, mais c'est pas grave. J'ai pris un crayon un peu marron, mais... Ouais, marron un peu foncé. Parce que mes sourcils, ils sont très foncés aussi. Ensuite, je prends mon anti-cerne de chez Tarte. En fait, la personne qui me l'a vendu m'a mal conseillé. Du coup, je mélange avec mon fond de teint de chez Kat Von D. Voilà, et ensuite, je nettoie mon sourcils. Je nettoie mon sourcil et je descends sur la paupière parce que bah, je vais maquiller mon œil. Du coup, bah, je descends directement en fait. Et on ne veut pas de démarcation dans tous les cas. Ensuite, je prends mon Beauty Blender, je la mouille et j'estompe. Vraiment, le make-up, le secret du maquillage, c'est vraiment estomper à mort. Faut vraiment estomper tout le temps. Estomper, c'est le mot en fait. Le maquillage va avec l'estompage.
parce qu'un maquillage pas estompé, bah, c'est moche. Ensuite, je cache un peu mes taches avec le reste du produit. Voilà, on estompe. Ensuite, je prends ma poudre libre de chez Huda Beauty en teinte Kunafa que je vais fixer mon anti-cerne et j'enlève l'excédent avec mon pinceau. Je reprends mon fond de teint 420 et en deep 78. J'en mets, voilà. Vous savez, mettre du fond de teint. Je tapote, j'étire, tapote, on étire, tapote, t'étire. Voilà. Ensuite, je nettoie mes sourcils avec mon fond de teint toujours parce que j'aime pas quand c'est trop clair et je préfère que ça fait un peu plus naturel. Du coup, je prends mon fond de teint et je nettoie mon sourcil. On estompe bien comme il faut parce qu'on ne veut pas de démarcation. On monte même jusqu'aux cheveux s'il le faut. On ne veut pas de démarcation. On veut rien. On veut un make-up qui est fluide, tu vois, qui... Pas de paquet, pas de... Non, on veut pas de ça. Donc, on estompe bien. Si il faut passer des heures à estomper, on estompe, c'est pas grave. Tant qu'au final, on est belle, on estompe. Donc ensuite, je reprends mon mélange anti-cerne fond de teint que je pose sur en dessous de mes yeux. Ensuite, j'en mets en bas de mon nez parce que je fais de l'hyperpigmentation en fait à ce niveau-là. Du coup, j'en mets... Et j'en mets pas au niveau des joues parce que je trouve que ça sert pas à grand chose en fait, en dessous des joues là, des pommettes. Je trouve que ça sert pas à grand chose, ça me sert pas à moi, moi personnellement. Donc si vous aimez, vous le faites, mais sinon moi je le fais pas. Donc j'estompe grossièrement mon anti-cerne. Je mets le reste, mais sinon je mets pas vraiment. Et après, je prends un mini beauty blender que je vais estomper vraiment minutieusement, tu vois. On estompe bien, comme je t'ai dit, estompage, estompage, estompage. Voilà, j'estompe bien comme il faut, partout. Les rides du sourire, ça m'énerve trop. À chaque fois, je me maquille, rides du sourire, une heure plus tard, ça me saoule. Donc, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai mis le fond de teint pour bien mélanger le tout, tu vois. On a dit pas de démarcation. Et j'avais oublié d'estomper mon nez. Du coup, j'estompe mon nez. Ensuite, je prends mon LA Girl Contour que je vais contourer mon nez, mon front et mes creux au niveau des paupières, en bas des paupières. Et mon menton aussi parce que j'aime bien quand tu vois, le menton il ressort un peu. Donc, voilà, voilà. J'estompe avec le même pinceau. Voilà, j'estompe. J'ai pas d'endroit où je commence ou je commence pas. Je commence par le bas et après je monte. Voilà. Et le nez, je le fais en dernier parce que je fais vraiment beaucoup de concentration. Je fais pas un contouring de ouf au niveau du nez, mais j'aime bien quand c'est propre. Voilà. Toujours estompé. Voilà. Faut estomper. Ensuite, je prends ma poudre de chez Huda Beauty encore, la Kunafa, que je vais mettre en dessous de mes yeux. Avant de poser ma poudre, j'estompe encore un petit peu les cernes, histoire de ne pas avoir du produit dans les plis. Ensuite, j'en mets sur les rides du sourire. Je prends mon bronzer que je vais mettre sur mes joues, là où j'ai mis mon contour. Et ensuite, j'enlève avec ça, avec l'excédent, j'enlève l'excédent de poudre. Voilà. Je rajoute pas de produit, hein. J'enlève vraiment avec ce qui reste sur le pinceau. Voilà, toujours j'oublie le nez, donc je le fais en dernier. Vous voyez, voilà. Je reprends un peu pour bien contourer mon contour où j'ai oublié. Et pour mon blush, du coup, je prends une palette de chez AliExpress parce que mon bronzer, il commence à m'énerver. Du coup, j'invente un bronzer à ma couleur, comme je veux. Du coup, voilà, j'ai poussé des fards à paupières. Voilà, j'estompe le tout parce que j'avais l'impression que c'était trop rose. Pour mes yeux, je prends un fard un peu marron vraiment foncé. Et je rajoute
une touche de noir pour un peu foncer encore un peu plus. Et voilà, j'en mets sur toute la paupière. On estompe bien. On veut pas un truc qui fait trop barre. Pompé. Ensuite, pour mon cut crease, ce que je fais, c'est que je mets vraiment au ras du cil mon produit. Et après, je lève les yeux au ciel. Comme ça, j'ai la marque et j'ai juste à suivre en fait le chemin qui est déjà fait. Le chemin, bah oui, le chemin. Ensuite, j'estompe le coin, histoire que ce soit un peu homogène, un peu... tu vois ce que je veux dire? Après, je prends un fard un peu nude et je pose sans mes paupières. J'aimais bien la couleur que ça faisait, je voulais pas changer en fait, donc j'ai gardé ça. Ensuite, j'ai fait mon eyeliner avec l'eyeliner gel de chez Kiko. Voilà, je me suis encore trompée. À chaque fois, je fais mon eyeliner en filmant, je me trompe. Enfin, je rate, donc c'est grave ça. Je vais jusqu'au coin de l'œil parce que j'aime bien en fait. Depuis que j'ai appris que ça existait, enfin, depuis que j'ai appris l'existence de ce truc, j'aime trop faire ça, le Foxy Eyes. Bref, donc je correctionne. Je correctionne mon eyeliner. Ensuite, je mets mon spray de chez MAC, mon fixateur de chez MAC. Je sèche et on se retrouve dans quelques secondes pour la finale. Cette vidéo est terminée, ce tutoriel, ce make-up, tout est terminé. J'espère que tu as kiffé la regarder parce que moi, j'ai kiffé la faire. Voilà, si tu as kiffé, tu sais quoi faire. Tu likes, tu t'abonnes, tu commentes. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Comme ça, lorsque je poste une de mes vidéos, bah, tu sais en fait, tu vois. Tu sais que Sissi, elle a posté. Sissi, elle a posté une vidéo, tu vois. On dirait que je suis droguée parce que je parle trop et tout. Et je vais aller prendre mes photos. N'oublie pas de me suivre sur Instagram et liker mes photos. Merci bien. En fait, période. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et pour le moment, je vous fais des gros bisous.